Et salut tout le monde, c'est Sky, et on se retrouve dans ce nouvel épisode de News World. Je fais mon intro en vitesse parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le Behemoth en lui-même, dans son corps, et on essaye tout simplement de vaincre Karis trois fois, donc comme stipule la quête, hein, c'est vaincre Karis trois fois. Et je me suis arrêté en plein milieu du DJ, pardon, parce que c'était trop long. C'est trop long, et voilà, au bout d'une demi-heure, c'est quand même mieux de faire une pause, parce que... vous savez, le plot YouTube, c'est vachement long, donc forcément, il faut raccourcir. C'est surtout pour ça, en fait, que je raccourcis à la base. C'est bien la première fois que je tiens mes promesses, que je dis que j'allais faire 30 minutes, et que je l'ai fait vraiment, en fait. Bon, des fois, c'est plus, des fois, c'est moins, mais c'est pas grave. Vous aurez toujours le même contenu, ça ne changera pas. Bon, par contre, tu veux mourir, s'il te plaît ? Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le début du cœur du Behemoth, je vous conseille d'aller à l'épisode précédent ou alors d'avancer à la vidéo parce que honnêtement, pour ceux qui découvrent, c'est quand même mieux. Coffre au trésor. J'en peux plus de cet tentacule. Eh mais c'est moi ou quand j'ai tapé dessus, elle est partie? Oh. Ah. Je crois qu'en fait c'est de la merde ce que j'ai dit. On peut la faire partir si on tape d'un gros coup dessus. Même si bon, j'avais déjà vu des gens... Non, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est faux. Elle est partie avec le temps. Allez! C'est parti. Donc voilà, c'est complètement à la suite de l'ancien... de l'épisode d'avant. Voilà, il a dit sa fameuse phrase, il aura fallu attendre le dernier DJ de 7 heures pour le faire. Donc il y a deux Val Domination, il y a celui-là et l'autre derrière. Il est là, il a pas de barre de vie celui-là. Enfin du moins on la voit pas comme l'autre. Merci. Pourquoi tu mets 10 ans à te relever? C'est pas la mort non plus. Hein. Aïe. Oh, les deux Val Domination c'est là. Oh. Calmos. Oh, Baromode. Ah oui, c'est vrai, il dépose aussi des Bamos, c'est saloperie de Val Domination. Ah. Ne dépose pas tes saloperies, il y en a partout. Ah, au secours, il m'explose à la tronche. Ah, ceux-là, il faut les expédier en enfer rapidement parce que... Voilà, je crois que je les ai eu tous les deux. Il reste 4 mobs. Ok, donc on a un Bamo déjà. Et 3 Trax de fer rapide. Par contre, c'est des Trax bioniques, non? Sinistre. Les bioniques sont dans le champ. Ok, ça passe, plus qu'un. Oh là là. Eh, vous vous rendez compte que j'ai quand même fait Sender d'une traite. Hein, j'arrête pas de le dire, je sais, mais... C'est toujours aussi impressionnant pour moi. Pour moi, quelqu'un qui d'habitude ne joue jamais autant. D'habitude, ça me lasse rapidement, et puis pour une fois, voilà. Bon, après, voilà, je fais des vidéos en même temps, c'est peut-être pour ça aussi. Hein. Il y a une part de ça. Allez, masse dégâts. Ouh. En tout cas, il faut la jauge de critique pour vraiment faire un masse dégâts. Allez. En tout cas... GG à moi d'avoir fait le cœur du Behemoth du début à la fin sans personne. Il y en a un qui va être content, celui qui n'aimait pas les randoms en DJ, celui-là il va être content. Tu vois, il n'y a pas eu de random. Enfin, du moins pour l'instant. Est-ce que je vais réussir à tenir le coup jusqu'à la fin sans random? Parce que là pour l'instant on est à la quête de Karis, là, la quête expert, il y en a deux. La prochaine quête ça sera deux fois le cœur du Behemoth. Mais faudra carrément le finir. Là, c'est juste finir Karis. Hein. Le boss, quoi. Donc, voilà. On y est presque, les gens. On y est presque. Et boum! Un cœur de moins. Allez, hop. Attends. L'œuf. Trop tard. On se les fait après. Ils viendront sur ma gueule. Vous inquiétez pas. Wow.
J'ai eu l'œuf? Oui, j'ai eu l'œuf. Je crois que j'ai eu tous les bons dominations. Ok, ça passe. 1, 2, 3. Ils sont tous là. Oui! C'est ça qui est bien avec les bons dominations. Où que tu sois sur la map, ils attendent pas que tu viennes. C'est eux qui viennent. Alors que tous les autres, bah, ils attendraient comme des cons. Allez, c'est parti, Caris! Allez, ça fait 5 minutes de vidéo. Hein. C'est vachement long quand même. Hein. Juste pour ça, c'est 5 minutes. Hein. Et 3 cases à la fin. Ouais, tout ça, c'est 5 minutes quand même. Mais les organes, ils sont super forts. Hein. Faut pas dire, mais... Ah, merde! Aouh! Aouh! Je me suis quand même pris le dernier coup, pourquoi? Allez, 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 tire, 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 allez, 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 ça y est. Voilà. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ouh, chaud, 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 chaud. Allez, le maximum de dégâts, le maximum de dégâts. Ah, trop tard. Je reste au milieu. Comme ça, du coup, les 4 tentacules se déploient. Parce que si je vais sur un côté, il n'y a que 2 tentacules qui se déploient sur les 4. Parce que je suis trop loin, en fait. Et là, je l'achève. Enfin, j'essaye du moins. Ouah, presque. Ah, c'est bon. Et de 2. Pourquoi je vais dedans? Peut-être parce que l'essence de vie est dedans. Tu viens de la détruire, crétin. Oh là! La Caris, elle a compté? Elle a pas compté! Oh! Mais remboursée, elle a pas compté! On est 3! Les random, c'est fini. Enfin, je croyais que c'était fini, les random. Oh, purée. Eh, la quête, elle a pas compté. Enfin, je sais pas, on était à 0, non? Je me rappelle plus. Si, 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 elle a compté. J'ai rien dit. C'est de la merde que je disais. En fait, on est passé à 1. Enfin, il me semble. Au pire, vous rembobinerez la vidéo. Moi, je verrai le rendu après. Enfin... Vu que je vais mettre en ligne directement après, ben, ça va être difficile de voir le rendu. Bon, on passe à 3. Allez, des hauts levels, s'il vous plaît. Des gens qui carry, des gens qui carry. Oui, il y en a une qui carry. Wouhou! Par contre, l'autre, je peux faire une remarque débile sur son pseudo. C'est quoi ce pseudo? Merci. Ah, t'es sérieux? Mais il peut pas lancer le triple geyser juste avant de tomber. Ok, d'accord. Je bug. Ah bon? Tiens, j'ai pas vu ça, moi. Et... Attends, de quoi tu parles? Attends, 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 attends. Je vois rien. Et mon stuff est cassé. Ah bah, GG à toi. Hein. Fallait réparer. Bah t'es level 66. T'aurais peut-être pas dû venir. T'aurais peut-être pas dû venir maintenant parce que je sais que c'est rouge pour les mecs qui sont level 66. C'est rouge. Donc tu vas pas gagner grand chose. C'est pour ça que le niveau où tu le niveau optimal pour le cœur du BMO c'est quand même le niveau 67. Du moins si tu veux faire si tu veux gagner quelque chose. Attends, 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 ça parle de quoi, là? Mais, ah si, tu lags par moment. Tu viens de changer de salle. Le mec, il sait pas où il est. Et le mec, il sait pas où il est. C'est genre le mec, c'est quoi ce donjon? Je ne sais pas, c'est le cœur du BMO 1? On ne connaît pas. Tu viens de changer de salle. Attendez, tu nous fais une scène, l'autre. L'autre, il nous fait une scène, les gens. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il a perdu son chemin. Tu viens de changer de salle. OMG. T'as le GPS, il fonctionne plus, là. Il a dit, dans 500 mètres, veuillez tourner à droite. Mais attends, à droite, c'est une carcasse de behemoth. Oui, bah, moi, je m'en fous. Vous tournez à droite, point barre. Ah, oh, au fait, toi, tu descends.
Putain. Eh, ça. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. J'ai donné des coups dans le vide. Elle prenait quand même les dégâts, le Ariès. J'ai pas compris. Ah ouais, effectivement, tu bug. Je le vois. Au début, je l'aurais pas cru, tu vois, parce que elle laguait pas, mais là, ça se voit. C'est l'instance finale. Bah oui. Ah, ça, c'est les gens qui viennent de commencer le jeu. C'est l'intérieur final de Sender. L'instance finale de Sender, oui. C'est pas une instance, c'est un donjon. Les instances, c'est les aires de repos. Où est Nier, avec les salles de repos? Moi, je dis plutôt donjon. Parce qu'en fait, instance, c'est tout. Oh, purée! Je ramasse! Ah là là. Après la chasse aux œufs, la chasse aux pièces. Mon Dieu. J'aurais préféré les œufs, en fait. Hein. Oh, mais vous êtes sérieux? Mais qu'est-ce que je fais là-bas? Mais genre, je suis passé au-dessus en mode acrobatie. Elle sort devrait travailler dans un cirque. Je suis sûr il se ferait de l'argent. Regarde-moi ça. Tu tournes comme ça, mec. Tourbilol. Prends ça. Bon. Au moins, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui jouent encore. Non, franchement, là, j'étais en train de me dire, mon Dieu, je suis tout seul. Et là, honnêtement, il y a des gens qui m'aident. En plus, qui me carry, c'est super. Ça va, c'est pas lui qui host, c'est la Nightwatcher. Bah, si c'était la Azura qui hostait, donc on l'aurait vu déjà avec une étoile au-dessus de son portrait, et ben, ça serait son PC qui serait pris en compte. Donc, on aurait lagué. Là, on a de la chance. Le mec il a réussi à se tromper de donjon et il sait pas où il est. Bon après j'avoue que les nouveaux joueurs sont souvent comme ça. Mais tu fais les quêtes dans l'ordre. Tu fais pas les donjons dans le désordre. Bah au moins ça veut dire qu'il a dû manquer quelque chose. Il sait pas où il est. Enfin je sais pas. Je sais pas en fait. Ouais. Bah, en tout cas, s'il parle d'instance, c'est qu'il doit jouer à WoW. Parce qu'il y a quasiment que... On parle que de ça, là-bas. Ou alors, vous connaissez peut-être d'autres jeux qui parlent tout le temps d'instance. Parce que normalement, nous, on dit donjon. Les gens qui parlent d'instance, c'est des joueurs de WoW. C'est obligé, ça. Il y a d'autres jeux avec des instances... Il y a d'autres jeux instanciés comme ça. Je sais pas, en fait. Le drop, un cube... Quoi? T'as drop un cube avatar? Quoi? Comment ça? Ça se drop pas les cubes avatar? Attends, de quoi tu parles? Hein? Quoi? C'est possible ça de drop des cubes avatar? Non, y a que les events qui le donnent. C'est pas possible de dropper les cubes avatar. C'est impossible. Attendez. Look ton inventaire. Quoi? Mais attends, mais d'où tu vois ça? Ah, c'est peut-être le Duran qui donne ça, non? Ça sert à quoi? Ah, très bien. Donc, c'est un mec qui a besoin d'un tuto. Ouvre-le! Ah, bah, il m'entend pas. Faut que je... Ah, oui! Mais comment ça? L'armure n'est pas dans un... attends que je me rappelle. Ah mais si, c'était un cube. Oui, c'était un cube sur l'ANA, je me rappelle. Ah effectivement, l'armure vivante, c'était un cube. C'est un cube, tu gagnes l'armure. Et le pire, c'est que sur l'ANA, je les drop deux fois. Si je fais une deuxième F, tu vois, bah elle est équipée. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas la banque commune. Ah, fait chier. Bon bah au final, ça sert à rien. On peut pas le vendre. L'avatar armure vivante. Avatar qui peut être OP si tu le certis bien et si t'as les bons trucs là, comment ça s'appelle, les bons effets là, les effets au départ quand tu l'identifies, voilà, les bons identifications. Il est moche, mais non, il est pas moche. Enfin, ça dépend sur quel perso en fait. Sur Ara, peut-être que ça le rend pas très bien, je sais pas. Non,
Moi, il n'y a que Eve que j'ai testé. Et Eve, c'est super beau. J'ai aussi vu Elesis, et c'est très beau aussi. Après, les autres, j'ai pas vu. J'imagine même pas ce que ça rendrait quand tu l'as. Ah ouais. Bah, au final, c'est un cube. Donc, j'avais oublié en fait. Ah ouais. Boîte à bijoux extravagante. Attends, je vire ça du coup. Mais non, on a déjà dépassé Duran. Au pire, je vais mettre les trois pare-chauds là à la banque. Surtout que tu l'as gratuit. Lol. Ah bah oui, hein, c'est cash up le jeu, mon gars. One shot? Vas-y, one shot, s'il te plaît. Non, même pas. Allez. Allez, meurs. Bon, c'est bon, elle est morte. Bah voilà, un peu d'aide de temps en temps, j'avoue que c'est pas de refus. Bon, après, je le connais pas, celui-là, c'est random. Mais honnêtement, moi, je dis... Nice. Je mélange, je mélange, je mélange. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Ce que dans le domaine on appelle noob. Bon, écoute, les noobs, hein, c'est comme... Oh, tiens, c'est quoi tout ça? La voix des plus forts, partie 2. Ah oui, cette saloperie! Ouais, normalement, avec le cube 80, je suis censé l'avoir. Ouais, je sais. Quand t'arrives à ce stade du jeu et que tu sais pas ce que... Et que tu sais pas, et que tu sais rien du jeu, ben, t'es un peu dans la merde. Y a pas eu de jump up pourtant. Non mais j'avoue que les jump up c'est pas super en fait. Parce que c'est bien beau de faire monter ses persos level 70 et tout, c'est cool. Ou level 80. Mais bon, pour les nouveaux joueurs, bah, je suis désolé mais vous savez pas jouer. Les gens qui jump up, les gens ils créent un compte, ils se disent, oh tiens je peux jump up, bon bah on va passer level quasiment level max tout de suite. Comme ça, je peux faire directement les donjons les plus durs, sans passer par les plus faciles, sans apprendre à jouer, et comme ça, je meurs comme une merde. Apprenez à jouer d'abord. C'est pas difficile d'apprendre à jouer. Non, c'est pas difficile. Je crois qu'elle sorte, c'est même l'un des jeux les plus simples à apprendre. Après, je sais pas, mais bon. Ils essayent de compliquer un peu le jeu. Ils essayent. Ils essayent de compliquer un peu le jeu, mais c'est pas totalement ça. Bah, ils ont compliqué le jeu avec le mode héros et Perkisas en fait. Et aussi les DS. DS et Nier, tout ça. Le reste, c'est easy. Easy peasy. Donc voilà, je redeviens tout seul. Oh non, j'étais bien avant. Tu peux venir, la Nightwatcher. Parce que là, c'est la troisième Caris. Et puis après, il en reste encore deux. Donc là, j'ai gagné du temps. Donc vous savez quoi? Vous avez un Caris supplémentaire. Et ouais, bon. Après, j'avoue, il y avait un demi-Caris à la base. Mais au moins, on a fait le café. Elle a fait le taf, cette Nightwatcher. Ouais, je suis pas contre, hein. Il y a souvent des level 80 qui viennent ici, hein. Ça arrive. Parce qu'en général, ceux qui viennent ici, c'est souvent pour ceux qui n'ont pas réussi à débloquer le Behemoth, le DS. Ceux qui viennent là, c'est souvent à cause de ça. Mais il y en a aussi qui farment. Je sais pas pourquoi ils farment, parce qu'il n'y a plus le GOD, donc je vois pas pourquoi tu farmes encore. Parce que le titre n'a plus aucune utilité. Bah qu'il soit là ou pas, il a plus aucune utilité. Bah faut savoir que le titre il n'existe plus hein, sur toutes les versions, sauf Void. Void là encore. Ouais, serveur privé toujours le meilleur. C'est d'ailleurs pour ça que le PVP est infect, hein. À cause de GOD. C'est God of War, je crois. Non, c'est God of Darkness ou un truc dans ce goût-là. Je sais plus. God of Destruction. En gros, Dieu du massacre. Je crois que c'est un truc dans ce goût-là. T'es sérieux? Le cristal s'est utilisé sur le truc? Bon. Eh ben, ma foi, ok. Allez. Donc là, du coup, je pense que ça sera le dernier charisme avant de finir l'épisode. Et du coup, l'épisode prochain, on finit le Behemoth. Eh oui! Ça fait 4 épisodes, les gens! C'est énorme! Bon, j'en ai fait 3 avec Ran. Ran, c'est Belmez en anglais. Américain, américain. Bon, par contre, je vais tout activer parce que sinon ça va mettre 10 ans à se
Sortir, voilà. Pourquoi il m'a attiré? Sinon, les trucs volants, vous mourrez un jour ou pas? Bon, il n'y a pas les coffres mangeurs d'hommes, ça passe. D'ailleurs, je pense que si j'ai encore un petit peu de volonté à la fin des Carys, je ferai le début de Ranox. Voilà. Pour vous montrer un peu ce que c'est pour ceux qui n'ont jamais été. Ah, c'est bien là. Là, vraiment, tout elle est bienvenue. Finalement, il y aura eu au moins un donjon avec des randoms. Un seul, sur tous les cœurs du Behemoth, hein. C'est énorme. Vous voyez le temps de fou que je mets comparé à quand il y a un level 80 qui vient. Hein. Alors le mec qui disait c'est pas bien d'être avec des randoms, tu sais quoi? Eh ben, t'as totalement tort. C'est bien les randoms. Mais même si la random elle avait pas le level le level 80, genre qu'elle avait mon level ou un truc dans ce goût-là, je pense que ça aurait été bien quand même. Bah déjà on irait plus vite puisqu'on est plusieurs. C'est déjà ça. Toi, t'es la priorité. Boum, au-dessus, 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 au-dessus. L'élixir, ouais. Allez, tornade géante. Wow, ça englobe tout. Wouah! Oh les gens, c'est le Gold Rush. OMG les gens, OMG, il pleut de l'argent. Tu sais, je vais avoir ma propre piscine comme Picsou bientôt. Je vais essayer de ne pas dépenser un rond. On va voir jusqu'où je peux aller. Est-ce que je peux dépasser les 100 millions avec Elysion? Avec Ranox, c'est pas possible, mais j'arrive aux 80 millions, j'ai déjà essayé. Mais avec Elysion, je pense qu'on peut y arriver. Ouais, j'ai déjà essayé sur l'ANA. Oui, je sais, tout le temps l'ANA, pourquoi? Bah, le serveur est mieux, écoute, hein. Il est mieux. À cause des week-ends double XP et volonté infinie. Ça, c'est le truc qu'on n'aura toujours pas. Et qu'on n'aura peut-être jamais, d'ailleurs. Parce que sinon, oh mon Dieu, les serveurs sont identiques. Il faut absolument qu'il y ait une différence. Il faut absolument que le serveur ENA soit favorisé. Mais oui, c'est n'importe quoi. Au fait, 5 objets placés dans les cases raccourcies. Pour combien? 140, on s'en fout. Allez, tout le monde meurt. Oula, j'ai tenu le coup face au barreau mode. Eh, hey, le soulèvement du peuple. Eh oh. Merci. Ah! Il a sorti son bas-mot. Son bas-mot. Ouais, je crois pas. Je l'ai tué, je crois. Bim. Eh, hey, c'est tellement fragile, les trucs qui sortent des tentacules, comparé à tout ce qui existe déjà, là. J'avoue. Bah, les dents, je sais pas ce que t'as fait, Caris, mais... Il n'y a pas assez de puissance là-dedans. Regardez-moi ces trucs là. T'as des qu'est-ce qui on dirait des chiens. Sérieux? On dirait tu sais les petits chiens là qui sont toujours à côté de toi et qui. et qui tirent la langue. Enfin. Quand ils sont exténués. Trop tard. Dégage. C'est bien ce que je pensais, ça ne part pas. Oh, oh. T'as te calmer toi? Je reprends ma vie. Du moins une partie. Ouais, je sais, j'utilise rarement ce truc. Faudrait que je le vende en fait. Parce que je m'en sers pas. Faut prendre que ce qui est utile, les gens. Attendez Ranox et vous aurez de la viande qui régénère en pourcentage. Quand ça régénère en pourcentage, c'est bien mieux que quand ça régénère avec un nombre donné. En plus, tu vois, c'est les pattes d'araignée, donc la viande séchée qui est largement au-dessus, ben voilà quoi.
chef a dit tuer. Oui, ben moi j'ai dit tu vas mourir. Donc voilà, c'est on est complémentaires. Hein. En plus, c'est dommage hein, parce que l'assurance Caris, elle est épuisée. Hein. Ah bah oui, hein, tu sais, 0 tracas, 0 blabla, hein, MMA. Ah ouais. T'es pas bien assuré, hein. Effectivement, l'assurance vie est mal payée. Ah oh, bas mot là. Ah, alors. Je disais aussi, quand est-ce que je me le prends? Oh, m'a donné le truc. J'avais oublié que c'était un cube. Du coup, faut que je vide cet inventaire régulièrement. Ah, vous avez vu ce que c'est que d'avoir 10 milliards d'events, hein. Ça, vous avez un inventaire comme le mien après. Oh. Hey, il m'a vomi des bas mots ces trucs-là. Il m'a vomi des bas mots, sans déconner. Ah! Vas-y, explose pendant la compétence. Oh, trop tard. Au moins, j'ai eu tous les bas mots. Ce truc est vampire, je sais pas. Ça te suce le sang, puis après, ça t'explose à la tronche. On dirait une bombe, sérieux. Les terroristes de demain, c'est ces trucs-là. Bah, il y en a encore un en plus. Ok, bon, bah, il va m'exploser dessus. Explose du bon sens au moins. Bah, j'ai dit de l'autre sens. Bon, tant pis. On avance. Go, 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 on progresse. On progresse, chers amis. Oh, j'ai dit meurs. Toi aussi. Ah! Non, mais vous êtes sérieux? Achevez-le! Là! Merci. Et maintenant, s'il vous plaît, destruction du cœur. Pas du cœur. Enfin, ça y ressemble, mais c'est un organe. Et l'autre avec, d'ailleurs. Trop loin. Ouais, ça marche pas trop. Ah, il est mort! Il est mort, le bon domination. Ah! Tue-le, 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 tue-le. Pas qu'il puisse en invoquer un de plus. Trop tard pour le reste. Je suis obligé de les tuer à la main. Ah ouais. Calmez-toi. Attention, je vais m'énerver. Attention. Allez. Comment ça, j'ai aucune chance? C'est toi qui as aucune chance, mon gars. Vous êtes des ratés. Allez tous pourrir en enfer, bande de démons, allez. Non, sans deck, vous allez rejoindre votre Caris adoré. Parce que là, vous avez fait du mal à tout le monde, les gens. Oula, même pas en rêve. Oh, je vais pas laisser l'œuf éclore, hein. Ah! Ah non, j'ai pas assez de temps. Ouh, je l'ai eu! Je l'ai eu! Pile poil! C'est bon, il est mort. Ouh! Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai même pas eu le bon domination derrière. Donc c'est du gaspillage. Gaspillage de mana. Ouais. Ça existe, oui. Bah, la preuve. Aïe! J'en ai eu un au moins. Ah, je crois que l'autre cœur, il est mort aussi, hein. Enfin, organe. Ça ressemble trop. Bon, par contre, là, m'excuserai, j'ai besoin de vie. Ah, ça enlève la malédiction. Ah, oh, c'est cool. Allez, mourez! 4, donc il reste que ceux du fond. Ok. Donc, il n'y a plus rien à part ceux du fond. Ça, c'est fait. Ah, oh, il m'a eu. Ok, y a pas les noms me dérange pas. Par contre, il y a les sosies de Comte Belmez là, c'est un peu chiant. Sosie avec des ailes. Hein. Ouais, le sosie en mode ce cube. Ça passe. Ah ouais, toi tu commences à m'agacer tout court. Allez, disparaît. Hors de ma vue. T'es trop moche. Wow, je sais que t'es badass, mais bon.
Faut dire la chose, faut dire la vérité en face. Même une sorcière est plus belle que toi. Non! Comment j'ai fait pour pas aller dedans? Non, ne pars pas! J'aurais dû utiliser la Ball of Angers en fait. Oui, j'ai l'habitude de ce nom. Oh oui, la Ball of Angers! Oh oui, c'est pas une mauvaise idée ça! Je suis en plein dedans! Ah, j'ai pas assez de mana! C'était la mort la plus stupide que j'ai jamais vue! Vite! Parce que là, les quatre tentacules sont pas encore arrivés! Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi! Trop tard! Ah non, c'est bon! C'est bon! Ah, j'ai pu skip les quatre tentacules! Ouh, j'ai pas été pris! Oui! Je l'ai eu! Ok, donc ça c'est fait. 3 sur 3 les gars, 3 sur 3 les gens. On a fini Caris. Maintenant il faut finir le cœur du behemoth deux fois et on a terminé. Donc il y en a encore pour un épisode. Et on arrive tout pile. Et oui, il est presque, on est presque à 31 minutes les gens. Hey, nice. Phew, eh ben dis donc, c'était chaud hein. Bon meurt. Transcendée d'ailleurs. Elle est transcendée d'ailleurs. Hein. Oh là là les gens. Ben vous savez quoi pour la peine? Oui! Je dis oui! Et je dis oui encore une fois! Et je redis oui! Oui au level up! Et on va finir avec ça. Hop. Et je vous jure que dans le dernier Caris, je balance ça dès le début. Vous allez voir, je vais peut-être réussir à la one shot. C'est bien pour ça que j'ai monté le niveau d'ailleurs. Comme ça, je peux aussi rajouter ça. Oh bah tiens, je vais nourrir. Trop faible. Là, ah trop faible. Voilà les gens, j'ai mon full tier 8 là. Bon, par contre, le niveau trop faible, c'est un peu chiant. Oh! Mais mange quelque chose! Trop faible. Le reste sera vendu. Oh mon Dieu. Donc ça, c'est que du trop faible. Ah, j'aurais pas dû monter de level en fait. J'aurais d'abord dû feed le pet. Bon, c'est pas grave. Du coup, n'hésitez pas à pouce vériser la vidéo. Mettez des pouces bleus. Mettez plein de pouces bleus. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à suivre mon compte Twitter. J'y poste plein d'informations régulièrement. Enfin, du moins quand j'ai des choses intéressantes à dire. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Et éventuellement le dernier de Sender. Donc les gens. Voilà, il n'y a plus de quêtes. Comme vous pouvez le voir, c'est la fin des quêtes. Il n'y a que les quêtes d'introduction au DS, mais ça, on s'en fiche, on s'en occupe pas pour l'instant. Allez, bye tout le monde!